Tu as envoyé même des nudes, regarde, et t'envoyais tout. Quelle nude là? Moi, t'envoyais tout. Donne d'abord, donne d'abord. Je ne sais pas. Arrête. Arrête d'abord. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Arrête d'abord, tu peux te calmer. Pendant cette maison, je suis resté avec toi. Mais qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quoi? Arrête de la toucher. C'est quoi la bite? Laisse-moi. Banuta pas banabasi dans ma vergeture à tempo moi même soit alors à pémé ma casse à ma boucle au boulot ils ont révisé ma noir ma mouine dans ma genou rien ma mère beaucoup moins moi difficulté là t'as moi qui l'autre parce que ma mère c'est 4-4 yo et ça la banuta est au bout de ma. Voilà, salut à tous, salut à la team Yafifi, c'est votre émission Les Tests de Fidélité, votre télé-réalité. Salut à toute la communauté francophone de partout, vous êtes à Bamako au Mali, vous êtes en Guinée au Tchad, vous êtes au Cameroun, ici en face à Brazzaville, au Gabon, vous êtes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous êtes en Martinique, en Guadeloupe, mes amis haïtiens, votre show est là. Je suis là sur place, votre frère Yafifi. Continuez à partager votre émission. Partagez au maximum. Voilà. Je suis avec qui? Vous avez regardé la première émission, je crois. Moses vous a montré déjà les petites séquences de la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, vous avez en description les liens de la première vidéo avec mon couple. Je les ai eus la fois passée. Ils allaient à une fête. Vous avez vu ce qui s'était passé. On a essayé de les chercher ensemble avec Moses et tout le monde. On les a eu, bien sûr. Je suis avec eux sur place ici. Est-ce que ça va? Je peux un peu ouvrir le champ, Moses. Ok. Salut maman, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Bien, oui. Ah, je suis content de vous revoir ici. Ça va, bon? Ça va. On peut dire que ça va un peu. Ça va. Ah, d'accord. La première question, je demande déjà. Est-ce que tes amis ou le proche, la famille, les gens ont regardé la première vidéo? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens ont regardé. T'en dis quoi? Ah, ils m'ont soutenu en tout cas. Les femmes, nous, on se soutient vraiment. Parce que ce qui m'est arrivé l'autre fois, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas que l'homme que j'aimais, l'homme que je donnais tout en fait, que j'étais fidèle en 100%, 1000% même, qu'ils pouvaient faire ça, ben, okay. Ils m'ont soutenu. Ils t'ont soutenu, la famille et tout le monde. Et je reviens à mon frère, et de ton côté, les gens aussi ont regardé la première vidéo. Oui, bien sûr. Bien sûr, beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de gens... Et ils ont dit quoi? Ils vous ont condamné. Quelle est leur lecture par rapport à la vidéo? Mais bon, voilà, vous savez... Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est une situation qui est arrivée comme ça et on n'y attendait pas. C'était juste une mauvaise chose aussi. Donc beaucoup de gens m'ont traité de mauvais gars. Mais moi je dirais que ce n'était pas vraiment le cas et je tiens vraiment à m'excuser pour ça. C'est juste que c'est par rapport à mon boulot, je me suis laissé emporter par des gens. Une fille qui a vraiment essayé de m'approcher. Et bien voilà, je tiens à m'excuser à toutes les femmes, toutes les filles qui m'ont regardé, ils m'ont traité de tous les noms. Voilà, excuse pour ça. Ben, je veux savoir quel est maintenant l'état de la relation à l'heure actuelle. Parce que j'ai appelé chacun séparément. Vous êtes ensemble, il y a de quoi? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben, en fait, moi je suis en train d'observer. Hein, parce que, de toutes les façons, nous sommes africaines. Hein, donc nous sommes... Nous sommes des Bantous, nous savons ce qui se passe entre nous. Mais c'est rien passé de si grave que ça. Ben, il m'a trahi, il s'est excusé. Donc. Mais pourquoi vous n'êtes pas retourné ensemble? Il s'est excusé, bien sûr. Mais tu observes maintenant, quand tu dis que tu observes, ça veut dire quoi?
Hein, tonton, explique-nous un peu. Parce que toi, tu dis tu observes. Tu observes de loin. Comment? Explique-moi un peu de tout. Bon, moi, de mon côté, j'ai été clair. J'étais vraiment clair. Comme je venais tout à l'heure de dire que j'étais désolé. J'étais désolé par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu as demandé des excuses. Ouais, bien sûr, c'est la fin. Et elle a dit quoi? Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Mais bon. Elle est restée sur sa position d'abord d'être observée. C'est quoi? Mais bon, ce que j'ai dit, tu vois, moi j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon à elle parce que je l'aime beaucoup. C'est vraiment la femme de ma vie et j'ai dans ma tête, il n'y a même pas une minute que je pense qu'elle me quitte, voilà, que je me sépare d'elle. Parce que c'est une bonne femme. Ce n'est pas seulement que je commets de bêtises à tout moment. Elle aussi, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Ce n'est pas seulement à moi, mais ce que j'ai fait, c'est la première fois qu'elle voit ça de moi. Et je l'ai vraiment fait du mal, je m'excuse pour ça, mais je ne sais pas ce qu'elle vient de dire, elle observe quoi, tu vois. C'est ça aussi la question que je me pose, c'est la grande question que je me pose. Parce que là, je me dis, je demande pardon à ce que j'ai fait. Mais pourquoi pas seulement me pardonner et qu'on revienne comme c'était avant? Parce que là, c'est, moi, je vois, je ne me sens pas à l'aise encore, je ne me sens plus à l'aise. C'est comme si elle est là avec moi, c'est comme si elle n'est pas là. Donc, comme j'ai dit souvent, fais comme si tu es dedans aussi longtemps que tu es dehors. C'est pas vraiment ça. Elle me manque. Elle est là avec moi, mais elle me manque. J'ai vraiment besoin d'elle. Mais il a demandé des excuses que tu as quand même acceptées. Mais pourquoi encore observer? C'est ce qui pose le problème. Tu observes quoi alors? Parce que tu as accepté. Tu as dit que vous êtes bantou, mais tu observes encore quoi? Mais je veux les changements. On est bantou, mais... c'est excusé, mais c'est aussi accusé en même temps. Mais je suis en train de voir ce que je vais faire parce que je ne veux pas un homme infidèle dans ma vie. Ah, mais est-ce que tu crois? Une fois, tu t'es excusé et puis peut-être il y en aura encore deux. La deuxième fois, je vais t'excuser encore, il y en aura encore la troisième fois. Donc je veux ça. Je veux d'abord qu'il soit là, que je comprenne qu'il est à moi. Donc c'est ça, parce qu'il y a eu encore d'autres choses, d'autres petites choses qui s'est passées, et puis ça m'a ouvert les yeux. À partir de ce que tu as vu, ça t'a ouvert les yeux. Donc tu veux dire, mais quand tu cherches, bon, moi je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des hommes fidèles, il y en a, mais si tu dis, je ne sais pas, tu as quoi. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, c'est personnellement, c'est genre la manière dont elle gère la situation, moi je trouve que c'est aberrant, c'est vraiment absurde. Parce que là, Tu veux comprendre quoi? Si tu veux mon téléphone, je te donne. Tu veux dormir avec ça? Tu prends ça. Tu es prêt à lui laisser les téléphones qu'il reste? Non, ouais, parce que mais elle. C'est rien. Les téléphones, c'est rien. Mais tu veux quoi? Je veux la fidélité, la confiance, l'amour. Mais comment est-ce que. Toi, explique comment est-ce qu'il doit faire. Alors. Mais c'est ça que je. Oui, parce que. Non, je ne peux pas dire que je l'aime encore comme je l'aimais avant. Okay. Maintenant, mais l'amour, c'est à peu près maintenant. Maintenant, je l'apprécie. Maintenant, il n'y a plus d'amour. Oui. Mais tu veux quoi? C'est moi qui t'ai trahi. Je t'ai trahi en quoi? Ça n'a pas de sens. C'est toi qui n'as pas de sens. Attends. On se calme puisque nous sommes en train d'arranger. Bon, une question, justement, je te demande à toi, Joe. Si c'est elle qui avait trompé, c'est une question comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Même se mettre comme ça, on n'allait même pas. C'est une question, c'est moi que je demande. Je pose, puisque tu l'aimes, si c'est elle qui avait trompé, qu'est-ce que tu allais faire? Ouais. Tu allais accepter ses excuses aussi pour revenir avec? Bon, laisse-moi répondre à ça. Moi, je suis un chrétien. Okay. Moi, je dis toujours une chose, comme la Bible est écrite, le pardon, c'est une force qui libère. Moi, j'ai demandé pardon, si elle m'avait fait du mal aussi. Je sais que personne n'est parfait. Il y a des moments... Tu allais accepter? Mais oui! T'es sûr? Mais oui, j'allais accepter. Mais une condition aussi... Okay. Qu'elle me montre qu'elle est sincère, d'arrêter avec tout ça. C'est comme moi j'ai fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu as montré que tu es sincère. Mais je lui dis, on a fait des ans ensemble. Elle ne m'a pas attrapé en train de faire quelque chose de bêtise. Elle ne m'a pas vu. C'est juste le message que c'est toi le problème. C'est toi qui as posé le problème. Non, je n'ai pas posé. Moi, je ne vis que ce que j'ai trouvé dans le téléphone. C'est à cause de ça. Et je lui ai demandé pardon. Je lui donne mon téléphone. Elle peut aller dormir. Elle fait ça. Ben, chérie. Mais elle doit savoir. Si tu te donnes le téléphone. Oui. Parce que là, dans mon téléphone, je gère beaucoup de choses. Je travaille avec aussi mon téléphone. Elle doit aussi savoir et comprendre. Ok, donc tu veux dire par là que tu dois quand même comprendre par rapport au travail qu'il fait,
qu'il a des appels, des contacts, patati patata. Moi, je comprends. Vous avez vu au moins ma taille. Je suis mannequin. Okay. Ben oui, je suis mannequin. Mon travail, c'est ça. Okay. Donc, quand je porte mes talons de 1 mètre... Papa, tu me connais très bien. Hein? Ne me fais pas dire de n'importe quoi, s'il te plaît. Tu me connais très bien. Il y a des choses que j'accepte, qu'on accepte, nous les femmes, en 2023, qu'on n'accepte pas. Que nos, comme que, quoi? Ben, comme l'infidélité. Avant, nos grands-pères, nos grands-parents, ils avaient 10 femmes, 5, 6 femmes. Là, vous avez, mais aujourd'hui, nous les femmes, on se bat. On est là, ben oui, j'accepte être une femme. Bon, je suis en même temps mannequin, mais j'accepte être sa copine. Et j'accepte, aujourd'hui, s'il me demandait, s'il n'y avait pas... Mais je t'ai dit, parce que je travaille. Ben oui, moi aussi, je... Mentionne pas que je suis peinte comme ça. Toi, tu mentionnes... Tu travailles, tu ramènes de l'argent. Moi aussi, je travaille, je ramène des sous. C'est quoi le problème? Ici, on est en train de... Bon, arranger, alors. Moi, je pense que votre cas n'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Mais pas si grave. Comment ça, il a couché? J'ai vu encore... Il a couché avec sa femme. Il a couché... Ben oui, il a couché avec cette femme. Il a fait tout avec cette femme. Mais non. C'est comme ça avec les femmes. C'est comme ça avec les femmes. Même si tu fais juste un tout petit bêtise comme ça, pour elle crée tout un film dans sa tête, donc du début jusqu'à la fin. Un long métrage dans sa tête. Aussi peut-être, bon, il dit qu'il n'a rien fait avec la fille, c'était juste une flirt comme ça. Ben oui, je sais. Ben, je sais, mais reviens. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, je suis une femme, il faut comprendre, on a notre tempérament. Excusez-moi, et si je suis comme ça, c'est parce que je l'aime aussi. Mais je l'admets, parce que si je ne l'aimais pas, je n'allais même pas être là aujourd'hui, accepter de vous voir, qu'on finisse tout ça. Parce que ma famille, mes proches, mes amis, même mon église, partout où je passe, ont vu ça. Donc c'était on n'avait pas voulu que ça soit comme ça, que ça soit ouvert notre vie privé, vous voyez. Donc je m'en excuse aussi sur ça, parce que moi aussi je suis une femme, je suis comme ça, mais je l'aime aussi. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse travailler sur ça, sur la confiance en fait. Donc parce que si j'ai pas confiance en lui, on va aller nulle part, comme il l'a dit. Il a bien précisé que je suis là, mais je ne suis pas là. Donc tu es là, tu n'es pas là, mais arrangez votre harmonie comme c'était avant, ou arrangez votre couple. Oui. C'est ça que moi, nous, on voulait dans l'émission, qu'il n'y ait pas encore de problème. Arrangez votre couple, hein, n'est-ce pas? Tu pardonnes et puis allez de l'avant. C'est ça que nous, on veut, la démarche. Aller de l'avant, il ne faut plus dire que tu es comme si tu n'es pas là, tu vois, ça ne fait pas du bien. Avec les temps, oui, ça va aller. Avec les temps, petit à petit, comme on est ensemble, parce que moi, je ne peux pas le laisser. Je vais le laisser à qui? Parce que je l'aime. Okay. Comme il est, c'est mon père en moi, c'est mon père en moi, c'est mon chéri en moi. Peu importe le haut et les bas, on va surmonter ça. Mais c'est juste que je l'aime, c'est ça. Je t'ai dit, tu fais d'abord genre femme, tu voulais un peu, voilà. Mais là, il a montré un peu... Et qu'il est loyal, il t'a dit qu'il peut te laisser le téléphone pour que tu sois rassuré, n'est-ce pas? Non, les téléphones, non. Parce que je ne vais pas mourir avant. Tu dis quoi par là? Tu ne veux pas mourir par là? Tu ne veux pas encore voir ces choses? Mais non, tu vois, moi, c'est que je vais seulement dire à tout le monde qui a eu l'occasion de voir tout ça. J'ai dit, elle est là. Ma copine, elle est là. Je tiens encore une fois à m'excuser devant tout le monde. Bébé, je suis vraiment désolé pour tout ça. Tu sais que je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment beaucoup. C'est toi l'amour de ma vie. Tout ça, c'était juste des bêtises et tout. Je suis désolé. Je te jure aux yeux de tous que ça va plus se répéter. Tu me promets. Je te promets. Tu me promets. Je te promets, je t'avais déjà dit. Je dis ça devant tout le monde, je te promets. Il a promis, hein, il a promis. Mais c'est bien, c'est... C'est bien comme ça, nous on aime comme ça, aller en paix, arranger, et puis moi je conseille, pourquoi, en fait le but de l'émission c'est une éducation qu'on donne aux gens, de rester fidèles à leur conjoint, conjointe, voilà. Tu es en couple, si tu trouves que ça ne va plus, vaut mieux quitter que de tromper quelqu'un qui ne te fait pas du mal. C'est pour cela qu'on dit, reste avec un seul gars, avec une seule meuf. Quand c'est 10 années comme ça, c'est pourquoi vous allez nous trouver sur votre chemin. On n'est pas là pour séparer les gens.
On essaie seulement de dire aux gens pourquoi tu n'es pas satisfait, toi. C'est la question que je te pose. Toi, tu nous regardes. Pourquoi toi, tu n'es pas satisfait? Tu es toujours insatisfait. Non. Tout le monde, toutes les choses sont les mêmes. Toutes les femmes sont les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas des, je sais pas, des extraterrestres. Pourquoi tu te trompes? Pourquoi? Un petit argent que tu gagnes comme ça, toutes les filles deviennent. Tu oublies même ta chérie. Non, c'est pas bien. En tout cas, moi, je suis content que vous ayez arrangé vos trucs, les choses. Allez bien. Et je pense qu'on ne vous rattrapera plus dans des sales coups. Hein. En tout cas, on vous bénit. Hein, n'est-ce pas? On vous bénit. L'autre fois, mais quand même, tu nous as jeté une pierre, ces messieurs, l'autre fois. Mais malgré ça, nous, on est venus avec Moses. Tu nous as lancé une pierre. Mais tu ne sais pas dans quel état est-ce que vous m'avez mis. Tu nous as lancé une pierre. Si ça a blessé Moses ou bien moi. Mais bon, on veut m'esquiser. Et toi aussi, tu bon, on veut m'esquiser pour être court. Je ne veux pas encore. Ok. Nos internautes aussi s'esquisent parce qu'ils ont vu comment tu nous as lancé une pierre. Ouais, mais c'est énervant. Vous savez, parce que là, j'étais sorti de chez moi. Je ne m'y attendais pas. Dans... C'est que je vais rencontrer. Et puis, je vois tout ça. C'est comme si ma tête était retournée en bas. Donc, tout a changé du coup. Il y a mes amis qui étaient là au coin, m'attendaient. Parce qu'on devait partir dans une fête. J'étais très joyeux. Et nous, on a gâché. Wow, tu vois. On vous a seulement aidé de savoir. Maintenant, vous allez vivre normalement. Je ne crois pas que tu vas encore tromper ta chérie parce qu'elle est vraiment sensible. Elle a beaucoup pleuré aussi. Pardonne-nous, hein, tu avais pleuré beaucoup ce jour-là. Pardonne-nous, pardonne aussi Moses, tout le monde. En tout cas, je pense que tout va bien maintenant. En attendant le jour du mariage, si vous pouvez même nous appeler, quand vous allez... Là oui, bientôt là, on organise déjà. L'autre fois, je pense bien que je t'avais dit quelque chose comme ça, parce qu'on a fait 2 ans, on est en train de faire progressivement les choses, parce qu'on ne veut pas se comparer aux autres. Parce qu'il y a des choses... Surtout ça. Ouais, qui fait des choses à la va-vite, mais non, nous, non. On veut être vraiment prêts. Non, faites les choses calmement, ne vous précipitez pas. Nous, on attend. Il n'y a pas de course au mariage. Les gens qui se marient en faisant des courses, ils se divorcent 1 mois après. Ben ouais, c'est ça. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. La réalité. Moi, je vis des couples parce que je vivais à ma tête derrière le parquet. Donc, je vois des gens, après 3 mois de mariage, ils viennent demander les divorces. Je comprends pas c'est quoi. Je ne pense pas que c'est toi les causes de leur divorce. Ah non, là, c'est pas moi. Ah. Moi, je voyais seulement, j'étais seulement derrière le barreau, je voyais les choses. En tout cas, merci à tous. Partagez la vidéo. Merci à l'équipe technique, à tous ceux qui nous suivent. On vous aime énormément et merci vraiment. Et tout va bien pour ces couples. En tout cas, j'ai aimé. Merci de votre maturité aussi, de la sincérité. Et voilà, il n'y avait pas grand-chose ici. Hein. Allez, à plus. Bye bye. Banuta pas banabasi dans ma vergeture, ma tempo, moi-même soit alors à pémé, ma carte ça m'a beaucoup bougé. Ils ont révisé ma noire, ma mouille nous n'a pas genou. Hein, ma mère beaucoup moins moi difficulté là, t'as moins kilote parce que ma mère c'est 4 4 yeux. Ils ont la banuta, ils ont au bout de la main.